Salut tout le monde. Alors voilà, je vais expliquer sur une vidéo justement du Pokémon Home. Je vous fais montrer quelques Pokémon que j'ai réussi à choper justement grâce avec Poké Home justement. Voilà, c'est des Pokémon légendaires, mais vous pouvez pas tout transférer des Pokémon légendaires. Je vous montrerai tout de suite sur la vidéo justement. Alors là, cliquez ici. Voilà les Pokémon qu'on peut transférer à Mew, Mewtwo, certains Pokémon, mais pas beaucoup, c'est pas très nombreux. Je vous fais montrer tout de suite. Alors surtout pour récupérer certains Pokémon, comme les deux, le chien légendaire et le Sobrozo, je vous montrer tout de suite justement. Il faut posséder aussi une Nintendo justement, 2DS avec, ou n'importe quelle version. Là j'ai Ultra Soleil, je vous fais montrer tout de suite comment la manip justement sur le Pokémon Home. Bien sûr, il ne se fait pas sur le téléphone, par contre sur le téléphone il faut prendre un abonnement. Je vous fais montrer tout de suite une petite vidéo justement de l'abonnement, comment fonctionne, parce qu'il faut un abonnement. Alors je vous fais montrer tout de suite, j'ai déjà sauvegardé. Voilà, je vous fais montrer tout de suite le Pokémon Home justement, pour cela que pour les aider. Du coup Pokémon Home, je vous fais montrer tout de suite, mince, excusez-moi, il se trouve ici, je clique dessus. Voilà, je clique sur Pokémon Home, je vous montre tout de suite justement comment fonctionne Pokémon Home. Voilà, alors là Pokémon Home justement, c'est la version Switch qu'il faut avoir plus important, qu'il faut posséder. Et je vous montrerai sur une vidéo justement, sur la même vidéo, pour payer justement l'abonnement, il en vaut 18 euros. Alors voilà. Là c'est tout qui va se faire transfert. Alors vous sélectionnez justement la version, et là peu importe, bah, alors ça marche avec sur le même compte par contre les versions. Parce que j'ai toujours un autre compte avec EPI, j'ai pas fini sur le compte justement. Alors je peux pas. Pour l'instant je peux pas, c'est comme si il était vide. Voilà. Je vous montre. Quand vous avez la version évoluée au Pokéto, vous cliquez dessus. Hop. Mais certains Pokémon ne pourront pas être comment ça est envoyé. Du coup, vous sélectionnez par exemple les Pokémon. Justement, mince, excusez-moi, ça appuie sur la touche. Excusez-moi, parce que j'ai fait une bêtise plutôt. Attends, excusez-moi, je retourne en arrière. J'ai fait une bêtise. Alors voilà, il faut montrer tout de suite justement comment fonctionne justement. Bon, je sais pas comment les Pokémon, je vais dans la boîte, voilà, ici. Justement. Voilà, des boîtes justement, les Pokémon justement, qui ont une petite barre rouge, on peut pas les transférer, on peut pas les transférer. Genre, sinon, je vous fais montrer, par exemple, oh, on veut le mettre. Oh purée, excusez-moi, j'ai plus de main, alors du coup, c'est pas évident. Voilà, ici, on ne peut pas. Parce qu'il y a une petite barre rouge, c'est les Pokémon qu'on peut pas transférer. J'espère qu'avec une future mise à jour, dans le futur, on pourra transférer. Du coup, je vous fais montrer. Voilà, c'est bien, on va un chenille, peu importe le Pokémon, l'important, ce qui n'est pas marqué en rouge. Voilà, ben ça touche le truc et ça me fait faire n'importe quoi. Excusez-moi pour la vidéo. Voilà. Ici. Alors, quand vous avez mis votre Pokémon sur le côté, justement là, de la version, de l'autre version que vous avez, par exemple, Pokémon Let's Go, évolué au Pikachu, vous mettez le Pokémon ici. Vous faites. Alors, c'est Start, c'est le plus sur Switch, et vous faites Sauvegarder. Voilà. Quand on a fait Sauvegarder, justement, on a fait Sauvegarder, vous cliquez dessus. Et vous revenez sur votre version bouclier. Et vous resélectionnez justement le petit Pokémon justement. Mince, attends, excusez-moi. Là, on peut pas. Parce que justement, il est rouge. C'est-à-dire qu'on peut pas le transférer, il a une petite barre rouge. Un exemple, pour le transférer, vous savez, ça a déplacé ce Pokémon-là à ce moment-là. Dès que vous avez pas le petit truc, justement, le petit logo, il faut montrer un autre Pokémon parce que ça n'a pas fonctionné. Du coup, il faut montrer tout de suite la petite vidéo justement parce que j'ai un peu de temps parce qu'il y a certains Pokémon qu'on peut pas transférer. Justement, ce qui est bien dommage. J'essaie d'expliquer tout ça sur une petite vidéo assez rapide. Voilà, du coup, quand vous sélectionnez un Pokémon, dans le Pokémon que je pourrais mettre, qui est possible de mettre dans la version. Ah non, c'est pas la version, mince. Excusez-moi. Alors voilà, je vous explique sur la partie, justement. Excusez-moi, j'ai du bouquin un peu chez moi. Justement, je vais prendre un exemple, Léviator. Léviator, je vais le mettre sur cette version. Là, ici, voilà. Je vous fais montrer. Là, quand j'ai mis Léviator sur le côté, j'enregistre. Sur la version, bien sûr, c'était Let's Go. Je fais sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Du coup, en sauvegardant, je remets la version, justement, bouclier. Voilà, mon Léviator il est disponible. Voilà, il est disponible. Je sélectionne. Et je vais le mettre dans la version. Ah non, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. C'est pas bien. Voilà, mon Léviator, il est passé de l'autre côté. Il est là, ici. Du coup, vous faites Start. Vous enregistrez pour Léviator. Voilà. Léviator est sauvegardé. Du coup, quand j'ai mis Léviator sur la version. Alors je vous expliquerai ça sur la version justement comment j'ai mis Léviator. Je vous fais montrer tout de suite pour les transferts de 2 au 3DS. Voilà, de 2 au 3DS, vous faites commencer le transfert, mais avant de commencer le transfert, je vous explique. Voilà pour le Pokébank qui est sur Nintendo 2 3DS justement, il y a une mise à jour. Alors vous lancez votre Pokébank. J'appuie dessus. Je vais récupérer les Pokémon. La santé. Voilà. Utilisons justement en utilisant la version dans la boîte. Voilà. Utilisez cette version justement Ultra Soleil.
Là j'ai tout plein sur. Excusez-moi pour le son de la notification. Et je vais récupérer. Alors voilà, faut parler à elle. Je vais récupérer les Pokémon. Voilà. Les Pokémon, vous les mettez dans la boîte. Alors pour les mettre dans la boîte, il faut sélectionner le Mew. Et le Mew, vous le montez là-haut. Je vous fais montrer une manipulation. Alors ça, ça marche pas tactile. Déplacer là-haut. Dès que vous l'avez placé là-haut, vous faites sauvegarder, c'est-à-dire X. X pour sauvegarder. J'ai gardé un Mew, c'est bien, comme ça j'en avoir deux sur le bruit. Voilà, du coup ça sauvegarde, ça analyse. Voilà, sauvegardez. Alors je vous fais montrer comment transférer justement ce à partir de Pokémon Bank. Alors Pokémon Bank, il y a un abonnement, c'est 5€ ou 6€ un abonnement. Et l'abonnement sur, je vous ferai montrer ça sur une vidéo justement de l'abonnement, comment avoir l'abonnement justement. Alors c'est sur Pokémon justement, Pokémon Home, il faut le faire par téléphone avec l'application, je vous ferai montrer comment faire pour activer un abonnement. J'ai pris une année complète. Alors, dès que vous avez fait la manip justement, je vous expliquer. Excusez-moi pour la lumière, vous faites transférer vers Pokémon Home. Excusez-moi pour la lumière, vous transférez vers Pokémon Home. Quand vous allez transférer justement vers Pokémon Home, vous faites aussi là, ici, valider, commencer, transfert. Voilà. Voilà, il y a un code qui va s'activer, je ne peux pas vous donner le chiffre du code. Il y a un code justement, vous faites confirmer. Vous prenez dans la boîte 1, et vous faites valider Y. Confirmer. Voilà. Et du coup, vous saisissez le code. Alors le code il sera marqué ici. Voilà. Je vous fais montrer tout de suite le code. Voilà, qu'il faudra saisir. Bah, les codes, c'est aléatoire. Alors voilà. Dès que vous avez saisi le code justement sur Nintendo, qui est marqué juste là, voilà le code, vous faites valider. Voilà. Voilà, vous acceptez. Et là, le temps que ça se fasse la transaction, il faut attendre justement, patienter pour le transfert. Voilà. Là, par contre, vous ne pouvez pas lancer aussitôt. Il faut attendre un petit délai environ de 10-15 secondes ou 10-15 minutes. Le temps que justement, le temps que. Ah, non, c'est bon, c'est déjà fait moi. Ça a été rapide. Voilà. Utilisez, vous montrez tout de suite, mon Team You. Validez. Alors, il faut aller, si je me rappelle bien ici. Voilà, vous faites montrer vers bouclier. Et je récupère mon petit Mew, alors excusez-moi, il faut que j'aille dans la boîte pour récupérer plus vite. Ça doit être ici. Non, ça c'est mon Raidou, mon Pokémon. Attends, excusez-moi. Attends, c'est dans une des boîtes. Voilà, c'est la boîte 1. Voilà, vous sélectionnez justement la boîte où vous avez mis votre Pokémon. Et voilà le petit Mew qui est là. Justement, je le déplace vers la version bouclier. Et ça me ferait deux petits Mew. Justement. Voilà. Du coup, bon, il y a des points d'alerte. Hein. Voilà. Du coup, vous faites start. Sauvegarder. Voilà. Voilà le Pokémon. Il est transféré. Il est carrément mis sur la version bouclier. Voilà l'astuce que j'ai fait montrer sur Internet. Justement, il faut montrer comment ça se passe Pokémon Home. Il faut montrer sur l'application. Justement. Je vous montre sur l'application justement pour prendre l'abonnement. Bien sûr, faut payer un abonnement justement pour accéder à certaines fonctions justement de transfert. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous montre tout de suite une application sur le téléphone qui ne fonctionne pas pareil justement. Salut tout le monde. Alors voilà, je vais parler justement du Pokémon Home justement qui est sur téléphone. Il ne fonctionne pas pareil que le Pokémon Home sur Switch. Alors sur Switch, pour faire des transferts, pour l'instant, Pokémon Go, je n'ai pas trouvé comment on peut faire pour transférer de Pokémon Go vers Nintendo justement vers la Switch. Je vais montrer tout de suite justement l'application qui est sur Android ou iOS le téléphone, justement les un des deux supports téléphone. Et je vous explique à quoi sert l'application sur le téléphone. Bien sûr, il faut prendre un abonnement. Il y a plusieurs tarifs. Alors vous avez plusieurs tarifs. Vous avez trois tarifs d'abonnement. Vous avez par mois. Vous avez trimestre. Je crois que c'est 2, 3, 6 mois. Vous avez trimestre. Et vous avez l'année complète. Alors bien sûr, on verra pas l'abonnement au niveau des prix. Le plus cher, c'est 17,99€. Mais c'est pour une année complète. Je vous explique tout ça sur l'application. Alors, je lance l'application. Bien sûr, n'oubliez pas de lier les comptes que vous avez sur plusieurs versions. N'hésitez pas à lier, justement, à lier les comptes, que ce soit sur la même adresse. Voilà, je vous explique. Voilà. Donc, vous allez sur le personnage avatar. Vous pouvez sélectionner justement un des avatars, justement, qui est là. Un des avatars, justement, j'ai choisi lui. Je vais vous montrer les études justement, là c'est le journal. Justement, là c'est le journal de tous les transferts que vous avez fait à partir de Pokémon justement, je vous ai expliqué sur la vidéo précédente justement le transfert de la Nintendo 2DS ou 3DS vers Pokémon Home, pour mettre les Pokémon sur EP ou SGO et Evoli bien sûr, je vais faire aussi. Je vais vous montrer tout de suite. Alors bien sûr, du coup, vous allez ici, paramètres, et bien sûr vous allez avoir le compte justement, et voilà les forfaits qu'il y a justement, que je vous ai oublié de préciser qu'on peut voir quand même. Abonnement annuel, c'est 13,49€ par mois. Abonnement trimestre, je ne sais pas, je crois que c'est 6 ou 3 mois, 5,49€, et abonnement annuel pour l'année complète, de 12 mois, annuel. Alors du coup, quand vous avez pris l'abonnement, justement, il y a la date d'expiration là-haut, c'est le 12-02-2021.
Voilà. Alors, l'application du téléphone ne sert pas pour transférer justement les Pokémon vers d'autres versions. C'est un peu compliqué à expliquer. Les Pokémon que j'ai sur la Nintendo Switch, Pokémon Home justement, cela ne peut pas être transféré. Certains Pokémon sont. Peut-être plus tard qu'une mise à jour pourra être transféré. En fait, l'application de téléphone, c'est plus pour la collection des Pokémon, mais vous pouvez pas les transférer de téléphone. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est que le téléphone, ça va pas servir justement pour transférer vers les autres Pokémon, vers Nintendo Switch, vers les autres Pokémon. Il faut passer par Nintendo Switch justement sur le Pokémon Home. Pour faire des échanges pour la collection. Voilà. Alors n'hésitez pas surtout à relier les mêmes comptes, hein, surtout. N'hésitez pas à relier les mêmes comptes. Les comptes justement. Et dès que le compte va passer Premium. Le Premium, ça va permettre de transférer et recevoir des récompenses. Voilà. Je vous dis merci pour tous ceux-là qui ont regardé la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur Nintendo Switch, Pokémon Home sur Switch pour transférer seulement les Pokémon que vous avez besoin sur la version, version Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, vers la version Poupée ou Épée. Et sur Nintendo justement 2DS ou 3DS, je vais vous montrer la manip, bien sûr. Alors, il y a certains Pokémon, mais pas tous les transferts. Merci d'avoir regardé la vidéo.